Nous voici chez Marine Serre, ambiance post-apocalyptique pour les préparatifs de son troisième défilé. Nous sommes en plein Paris, près des Halles. Marine Serre met au point son troisième défilé. Les deux premiers ont créé un buzz pas possible après qu'elle ait été repérée par une victoire au LVMH Prize qui lui a été donnée par Karl Lagerfeld et Rihanna, rien que ça. Le siège de Marine Serre, c'est un appartement parisien transformé en studio et atelier où, grâce au succès éclair, on est de plus en plus à l'étroit. La marque grandit là, vous avez pu embaucher des monde et tout? Là, on est 30 personnes, ah ouais. Plus ou moins. Donc en un an et demi, on est passé de 3 à 30. C'est pas mal. Il y a vraiment l'idée de bloc de couleurs quand même. Hein. Ouais. Une cohérence couleur, c'est bichromie totale. Vous pouvez montrer la boucle d'oreille? Ça, c'est des parties de vieil ordinateur, ouais. Coquillages et petites pièces. La collection, elle s'appelle Radiation. Donc, c'est vraiment l'idée de qu'est-ce qui se passe après l'apocalypse dans le futur. Voilà, c'est pareil sur les chaussures. Tout ce qu'on pouvait trouver en pièces recyclées. Et oui, ces chaussures font un bruit de pèlerinage à Compostelle à elles seules. Ça, c'est la mutation de Carla, en fait. Quelques mois plus tard, c'est ça? Tout est recyclé dans ce look-là? Oui, tout est recyclé, sauf la fourrure, c'est juste une fausse fourrure. C'est pas une fourrure recyclée, mais le jean, ouais. C'est que des vieux jeans qui ont été redécoupés et retints. L'idée, c'est qu'il y a à peu près 2% de la peau qui est exposée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voire 1%. C'est un geste fort, de mettre un masque sur une femme? C'est l'hiver. Il fait froid. Faut se couvrir. Oui, et après c'est l'idée d'une mutation. Donc là, on parle aussi pas forcément juste, on parle aussi d'une mutation de peau. Je sais pas. Après l'apocalypse, d'une peau psyché. Je pense que c'était cette idée de mutation, d'évolution, de futur. J'imagine de difficultés qui amènent à la radiation. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, c'est plutôt un message positif, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose après. Ça pourrait être plus pessimiste. Hein. Oui. Donc là, on a des bijoux d'ongles. Et tout est upcycled. Donc, c'est des pièces, c'est des coquillages. Donc, on a des moules, on a des huîtres. Ça doit être pratique pour téléphoner, ces trucs-là. Les huîtres, elles viennent d'où, du coup, du restaurant Ouais, elles viennent de restaurants. On travaille aussi avec un gars à Paris qui ramasse plein de coquillages. On c'est fait à partir de quoi? C'est des éléments de doudou Ouais. Prends les manches, stitch les gants. Ça va te plaire. C'est la robe couverture. Comment de pique-nique. C'est une couverture de pique-nique. Ouais. C'est juste une couverture et ça devient une robe bustier. Donc ça, c'est aussi dans la ligne Upcycles. C'est pareil dans la ligne Paris pas cher. C'est ça. Pareil. Spanchola. Rien que le bruit est génial. On dirait des trucs des sacs de congélation un peu. Ouais, c'est ça. C'est pour pas avoir froid. Ça, c'est que du jean aussi upcycled qui a été teint et qui devient comme un peu plongé dans une sorte de filtre rose. Ça, c'est fait à partir de draps de lit qui ont été teints et puis rebrodés. Et c'est quoi l'effet? Comment on obtient cet effet en bas de... Cet effet bouffant? Ouais. Ça, c'est fait avec une fronce et du tulle et un patronage. Commercialement, qu'est-ce qui se vend des deux derniers défilés qu'on a vus? Qu'est-ce qui s'est le plus vendu? Par exemple, le sac balle, qui a priori est assez expérimental, est-ce que c'est quelque chose qui a fonctionné? Ouais, vraiment bien. Bah, en fait, les pièces recyclées aussi, bizarrement.
C'est parce que un casse-tête à produire, du coup ? C'est un casse-tête à produire, mais on aime ça, les casse-têtes. Donc là, on a fait une nouvelle version, avec que des chaînes qui sont aussi recyclées. C'est que des chaînes, des vieilles ceintures, des vieux colliers, des vieux bracelets. Quincaillerie. Ouais, quincaillerie. Il y a une inspiration égyptienne ? Ah, dans les prints, oui, 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 oui. Oui, c'est notre print chamanique. Ah oui, c'est quoi, c'est un code ? On a redessiné, en fait, on a pas mal de références différentes. On a des femmes qui supportent des lunes. Qu'est-ce qui se passe ? Ils tiennent un... Ils tiennent le ball bag. Ah, et qui est tenu par des figures égyptiennes, c'est exactement. Ça ? Les hiéroglyphes ? C'est un mélange de cartoon et de, des c'est hiéroglyphes ? C'est ça. Ah oui. Il y a un côté X-Files un peu, ou complotiste. C'est un peu l'idée de cette collection. Ah oui ? Pas tout le temps chercher à comprendre tout. C'est un gilet jaune ? C'est une veste jaune, oui. Il y en a une autre. Oui, c'est vraiment un gilet jaune. Il y a un message ? Non, il n'y a pas de message, il y a une inspiration. Il n'y a pas un message particulier. Il y a pas mal d'heures de travail, là. Sur quoi ? Qu'est-ce qui vous a pris ? Sur le shape, ouais. C'est-à-dire le fait que ce soit centré comme ça ? Oui, et qu'elle ne soit pas engoncée. Et en même temps, d'arriver à le voir. Il y a quand même prise de tête sur les... Ouais. Sur les raccords. Sur les raccords, là aussi. Petite pince. Ah ouais, là. Pince de poche. Ça et ça, ça a dû être compliqué. Mm-hmm. Je suis contente de ne pas avoir eu à le faire. Et c'est quoi le masque cette fois-ci ? Ah, ça, c'est une collaboration avec Air Pur. C'est un vrai masque respiratoire. C'est assez technique quand même. C'est-à-dire, ça correspond à quoi ? Bah, c'est-à-dire que si vous mettez ça, vous chopez aucune pollution. Donc elle peut aller faire du vélo dans Paris à 17h. Ou en 2045 aussi, ouais. On va voir le défilé où ? Ici, les Moulineaux. Donc dans le sud de Paris, une cave souterraine faite en craie. Et c'est en fait une cave voûtée de 5 mètres de haut. Et on aura pas mal de lasers, tout ça. Donc je vous laisse voir demain. Mais ça va être une expérience, donc ça vaut le coup de se déplacer jusqu'à Issy-les-Moulineaux. Et en effet, le lendemain, à Issy-les-Moulineaux, au sud de Paris, on est dans des caves. Fini la lumière du jour, bonjour les lasers verts dans la fumée. Il fait un froid flippant, les lumières sont noires, tout est fluo. Et Marine Serre se démène pendant sa répétition. Pourquoi vous avez choisi ce lieu ? Pour l'idée du refuge. L'idée de se retrouver ensemble dans un refuge qui serait sous terre. Et qu'à la fois on puisse se sentir bien, sans se sentir totalement oppressé. Pourquoi est-ce que ça vaut le déplacement, Marine Serre ? Parce que c'est quelqu'un, elle a un côté assez rebelle et elle bouge avec le moment. Et c'est quelqu'un de très très forte et qui a son propre point de vue. Et c'est vrai maintenant. Elle parle de les femmes d'aujourd'hui, les croisements de cultures, les politiques. Ça c'est la mode, c'est une classe de la société. Le look de la saison, on met une cagoule, puis une perruque, puis un béret. Le masque est la seconde peau. Il faut que le make-up vienne. Ils sont pas face. Ici Mais il devrait venir ici parce que moi je peux plus aller là-bas. I know she needs make-up because she's just got her eyes showing, but we need to check if they're there. It's like Ariana Grande gone bad. BDSM Ariana. Plus rien n'est naturel. Le fond de teint est argent et le masque anti-radiation est nécessaire. Des maquillages lumineux sous les yeux. La doyenne des journalistes mode, Suzy Menkes, filme attentive à la nouveauté. On reconnaît le sac boule iconique de la jeune maison. Et détail pratique, au milieu de cet apocalypse, il y a des poches pour tickets de métro. Des fantômettes, des voluses de diamants, des belphégores, des femmes qui ont perdu leur peau. Le message de Marine Serre est alerte, alerte, alerte. Ça va te bouffer des poils. Oh, it's you! Okay.
I think that what's most interesting from her early collections is this appropriation of different elements of various world religions and bringing them into a fashion context. What I like is that she's done it in a smart, thoughtful way that's hardly cynical. What do you think of the venue? I think this venue's a little creepy, but I'm excited to see what happens. Yeah. It's also very cold. Is it comfortable to wear the mask? Yes, of course. Mais vous faites un bruit assez délicieux, je crois. Oui. On l'entend arriver, quoi. Voilà, la discrétion s'est ratée. Bah, à part la tête où, pour respirer, c'est un peu... Il faut respirer par la bouche, sinon c'est hyper confort. C'est tout doux. Attention, les premières silhouettes sont un hommage à Karl Lagerfeld, disparu quelques jours plus tôt. Plus dame, plus parisienne, plus sobre. Et les voilà les fameux gilets jaunes insurrectionnels qui à ce moment-là obsèdent la psyché française. J'aime bien que le gilet jaune devienne une tendance et que tout le monde s'y mette. C'est une couleur militante. Et ils sont disponibles encore plus tapageurs en version robe du soir. Bien sûr qu'on est une marque engagée, et après militante, je sais pas, mais engagée et straight to the point, pour sûr. Et ça, vous le mettez dans laquelle de vos lignes? Ça, c'est white, blanc. Et white, ça correspond à... Ready to wear, garde-robe classique. I'm continuing the path, you know, of building the green line, the red line, because you also have the red line here with some more worked pieces and the white line, so I just try to continue the process before to change to anything else, so I try to stick to what I proposed to all of you last year. Fumigène, laser, grand froid, c'est une expérience pour le public en ce petit matin dans une cave du sud de Paris. Fin du défilé, presse junket improvisée. La presse guette déjà les points de vue de Marine Serre. She's really good at sticking to a signature. She has from the very beginning, and she builds on it. You know, her shapes are very distinctly hers, and the upcycling. You know, if you see that collection and didn't know it was Marine Serre, you would know it was her. C'est intéressant. Ouais. Pour moi aussi. Vous avez dormi?
Non. Ah, c'est vrai, vous n'avez pas dormi? Non, j'ai pas pu, malheureusement. Tout à l'heure. Voilà, c'était le défilé de Marine Serre pour l'automne-hiver 2019-2020, un des défilés les plus marquants de la Fashion Week parisienne de mars 2019. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'accès, plus d'excès, plus de mode, plus de folie, plus de mieux.